Yo tout le monde, donc la suite sur mon let's play, il nous reste une, deux et trois épisodes, puis on a passé. Ta gueule là, on n'est pas dans vos classes. Je le sais. Donc voici le personnage. Yoshi. Comme d'habitude. Ils sont pas trop longs les gens. Donc, c'est parti, ça commence. Donc, à date, Jimmy, l'épisode 3-1, 3-2, 3-3, comment t'as trouvé ça? Je les ai tout aimé. Hein, t'as l'air de là, tu t'attends à quoi de gros? Tu t'attends à quoi, là? Je m'attends... Je sais pas. je m'attends... Ah, je sais pas. Hey, tu me démarres, hein? Là, dis les gens que c'est sa première, c'est quasiment, c'est ma deuxième fois qu'il va vivre un let's play. Non, c'est ta première fois que tu vis un let's play. Sans que tu te laisses parler, tu vois rien de ça. Parce que je voulais aller se parler sur YouTube, mais je sortais. C'est Juro. Notre peuple saigne. Voici c'est Juro. Regardez bien. C'est celui-là, c'est Juro. Lui du début. Lui du début. Prosterne-toi. C'est Juro ne comptait pas se rendre. Il avait de puissantes troupes sous ses ordres. Mais nous étions nombreux. Il nous fallait juste une entrée. Donc moi et un autre de mes amis, nous sommes déjà rentrés. Oui, ça vibrait dans mes derniers kilos. Je n'étais pas entré dans le palais depuis 3 ans. C'est pas trop long, vas-y, suppose. Depuis ce jour où l'empereur m'avait fait emprisonner. Donc, c'est parti! Donc là, de dire, Étienne, par où est-ce qu'on passe? Regardez. On va là. Bon, ben ça. Contre l'acier. Donc là, dans le fond, on assiste à au chapitre 3.4, qui est quasi la fin. Je vous le dis. Oh! Wow! Wow! Je vous dis pas comment que ça finit. Parce que sérieux, ça ferait longtemps que je vous aurais dit comment ça finit. Sérieux, ça serait mon genre de faire ça. Mais je me dis, Étienne, fais pas ça. Donc c'est ça que je fais. Donc je le fais pas. Mais sinon, ça fait longtemps que je l'aurais fait. Donc là, les gens avaient dit, Étienne, tu vas aller tuer les ennemis qui sont là-dedans. Ils sont tous là. Non. On va juste ici. On va là. On détruit le papier peint. Pour redonner ceci à l'autre ennemi. Donc là, dans le fond, c'est d'essayer de ne pas se faire voir. Ah merde! Cool les rouges! Fait que je meurs. C'est là que j'ai la bouée. Donc là, les gens, excusez-moi. On recommence de ce qu'on était tantôt. Donc là, on va essayer de faire ça vite. Le papier contre la scie. Excusez-moi pour le cri. Moi je suis un gars qui est comme un petit peu ses nerfs quand je joue à des jeux de même. Là. Surtout à des jeux comme ça là. Ça met tellement ses nerfs. Ah oui, ça a vibré dans mes culottes. Ok non, ça c'était trop. Pas trop les gens. C'était trop. Ben trop. C'est pas vrai. Donc les gens, comme je vous l'ai dit, on a refait le même chemin, on s'en rappelle, on s'en va là, on s'en va ici, on fait ça comme ça, on détruit ça. Pour détruire, pour tuer le fameux, ben c'est le fameux là, cette affaire qu'il y a là. Donc là ça comme ça. J'entends les guerriers de ces jours. Encore quand on l'a tué.
on s'en va. Ici. On attend que ça se remplisse. On fait ça comme ça. Sejuro avait avec lui les meilleurs guerriers. Cette force nous serait utile. Donc on va faire ça comme ça. On attaque tout. On attaque tout. Plutôt, on détruit tout. On a quelqu'un avec un monde. Ça comme ça. Lui, on se le fait aussi, comme vous devez le savoir. Vous devez dire, ah non, pas encore le gros. Et oui, les gens, on l'a encore dans nos jambes. Le gros tas de merde. Comme Jimmy vient de le dire, le gros tas de merde. À date, ça va bien. C'est ce côté qui m'attaque. Comme notre là. Oh, aïe, aïe. Allez. Oh, on rit plus. Il m'a tué. Non. Pas encore. Mais c'était proche. Là, il était étourdi pas mal. Il avait plutôt qu'à faire. Et voilà, putain. Donc, c'est comment? Donc, ça continue encore. Donc, là, vous devez dire, tiens, ça s'arrête là. Mais non, les gens. C'est là où mon route préféré. L'empereur a des goûts de luxe. Attends. Notre armée est de l'autre côté. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Voici comment faire. Donc à la fin, on a un effet qui est avec nous autres. Donc à la fin, on a comme un petit peu apprivoisé. En attendant. Ah, il tient un couteau d'argent. Il y a moyen d'ouvrir le portail. J'avais l'éléphant. Donc là, on va faire ça comme ça. Là, dans le fond, l'éléphant est avec nous. Il y aura que nous autres, l'éléphant. Donc, faut vite qu'on se tasse parce que sinon. Donc l'éléphant se décide de foncer sur nous autres. C'est pas beau à voir. Comme vous pouvez constater, regardez, il nous suit. Dans le fond, le but, c'est de ramener ça comme ça ici. On se met là, on maintient le triangle pour qu'on déclenche sa rage, pour qu'après ça, on se tasse. Puis là, boum. Là, il a réussi à le détruire. C'est ça? Oui, il a réussi. Là, on a Shugoki qui veut nous tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Essayer de me faire enrager. Non, ça marche pas. Faut vraiment que je le tue. Aïe aïe! Non! 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 Aïe aïe! Aïe aïe, man! T'as-tu mis ça, toi? Est-ce que t'as l'air écrasé? La fin, il est pas avec la porte. Non, pis des fois, ça peut arriver des fois qu'il me donne des coups. De trompe. Donc, t'as fait attention! Voilà. Quand il décide de ça fait adoï. Regardez, c'est justement, ça fait mal. Il y a encore un autre. Ce qui risque de la faire mal. On se grouille. Il faut juste que l'éléphant coopère. Merde! Un pido, c'est quand que le gros se fait ramasser. Là, elle s'est pas fait ramasser. Il a l'air gros, mais quand que l'éléphant décide de le ramasser, là, hey, ça en est tout qu'un show, les gens. Oh, palaï. Oh, palaï. Oh, palaï. Donc, on a le gros qui est en train de nous. Ouch. Là, je trouve plus l'éléphant. Ok, c'est bon, je le vois. Ah, man, t'es sérieux. J'espère qu'il y a des troupes ennemies, j'espère que c'est pas. J'espère. Oh non, on va pas mourir. Là, il est comme, ah non, je vais pas mourir. On fait ça comme ça. On s'en va ici. Ah, je suis pas patient. Hey gros, on devrait se tasser. Adoï. On devrait se tasser. On va se tasser. Parce qu'il y en a un éléphant. Qui est dans nos jambes. Qui aime du pire.
Hey man, j'aime le beurre de peanut. Attends, man, j'étais avec toi, on jouait tranquille. Ouais, c'était la fin de map. Tout à coup, on la recommence, on s'en renvoie ici. On déclenche sa colère. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Vous n'avez aucune chance. Lâchez vos armes. Trouvez ces gyros. Et c'est commencé. Maintenant, c'est l'heure de l'action. Ils veulent de l'action, on va en donner. Là, c'est pas vrai, j'avais le trop d'aide à un gars qui voulait tuer du monde. Donc là, de la fond, on devait dire, ouais, Étienne, où est-ce que tu vas aller après? C'est quoi qui va se passer? Je vous l'ai dit. Je voudrais bien le spoiler, tu sais, je voudrais bien vous le dire, ah, on va aller à telle place, nanana, ça va être là qu'on va aller, après ça, c'est ça qui va arriver, mais les gens, ferme ma gueule. Ça, ça fait longtemps que je l'aurais dit, sérieux. Je vous niais. C'est fou. C'est que c'est chien. Mais le pire, là, dans tout ça, là, c'est que ça me fait chier! Donc là, je suis d'accord, moi. Rien ne nous arrêtera. Ah! Parce qu'on est vraiment à gueule aussi à gazo. Aïe aïe, ça se starve, mec, je vais te faire mal. Passe-toi les parler. Hop, j'ai attaqué un de mes amis. C'est pas grave, c'est pas une grosse perte. Un de moins 10 heures. Donc là, dans le fond, vous voyez très bien ce qui va se passer. Donc là, on voit que tout le monde, ben, que les deux clans maintenant, jaune et bleu, sont redevenus ennemis. À cause de qui? À cause de ces joueurs, comme vous avez pu constater tantôt, quand on vous l'avait vu. Sur son palais. On s'en rappelle. Je sais pas si vous en rappelez dans le coup. Je sais pas si vous en rappelez. Vous allez le voir. Je dis pas quand vous allez le voir, mais il est contre nous autres. Là, vous voyez, les jaunes sont aussi contre nous autres, donc c'est sûr. Objectif accompli. J'ai des chanceux de pas être mort parce que sinon ça aurait été chien. Niveau 29, d'Apollon, 4849, 44, 45, 49. Ah non, 64. Ça se monte bien les gens, ça se monte bien. On achète. Ouh! Ça n'a pas aimé ça. On enlève, ouais, on capture cette zone. Vous êtes adoré, c'est qui m'a taquiné? Est-ce que tu m'appelles ma coéquipière? Encore! Ces chevaux ne devaient pas être loin. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais attendre. Ok, c'est parti. Tant de sang avait coulé. Pourtant, nous n'étions pas ennemis. Donc, comme que le Roshi, comme que Orochi vient de dire, on n'était pourtant pas ennemis, mais ce qu'on voulait qu'on fasse, c'est le risque du métier des samouraïs, c'est que c'est ça qui arrive. Quand tu fais quoi de travail, ou peu importe c'est quoi, excusez-moi si j'ai osé le ton, parce que je ne veux pas crever. Vous voyez ça en train de crever, Steve, pendant que je fais cette petite affaire-là. C'est vraiment de la merde. Aïe aïe, aïe, les gens, ça va te faire mal. Oh fuck, j'avais pas vu c'est lui-là. Lui non plus. Lui non plus. Lui non plus. Ah, quel nouveau délire. On y arrache. Et voilà. Ah fuck, ma vie elle. Pas. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Tu vois? Vas-y donc! T'attends-tu? Ces guerriers ne suivront personne d'autre. Tu sombreras dans l'oubli. Le
Le champion impérial va te vaincre. Le champion impérial, moisi dans un cachot à l'autre bout de la ville. Pas d'Enzo. C'est les autres, le champion impérial qui est moisi dans le cachot. C'est toi, le champion. C'est un traître. Un héros plutôt. Là, je devais dire, il va y avoir de l'action, Étienne. Et oui, il va y avoir pas mal de l'action. J'avais passé 3 ans à croupir dans un cachot. Donc là, dans le fond, c'est maintenant d'essayer de bloquer ses attaques quasiment impossibles à bloquer. Parce qu'il est quand même assez dur à tuer quand même. Je trouve qu'il est quand même... il est quand même assez dur, sérieux. Vous devez, comme vous pouvez le constater... Ce qui est fun, d'abord, c'est qu'en plus, on se donne de la vie, donc là, tu sais, c'est déjà là bien mieux. On peut se donner de la vie, donc tu sais, c'est un bad job. Tu ne peux pas le vaincre. Et voilà. Je vous dis pas ce qui va se passer. Nous avons besoin de commandants. Tu me déshonores. Aide-nous. Tu es un grand guerrier. Je refuse de vous servir. Alors, tue-moi. Prends ma place. Commande nos armées. Tu es fou. Notre ennemi est Apollyon. Pas Sejuro. Je refuse de me battre pour le compte de la Légion. Champion impérial. De nouveau à la tête de nos armées. Je pars pour Ashfeld. C'est là qu'est notre ennemi. Oui. Mais ça t'a encore plus intéressé parce que tout ce que t'as envie c'est de voir la suite. C'est de niveau 29. Il va faire avec un niveau. Oui, espérons que ça soit maintenant que je réussisse à être niveau 30 en même temps de finir ce putain de let's play que j'adore. C'est le jeu que vraiment que j'adore le plus. Ça fait 18 minutes. Même s'il est à 1h, on s'en fout, on continue! C'est comment le goût là, j'ai dans 52 minutes, je l'ai pas arrêté. Mais j'ai arrêté parce que. Faut quand même que j'en garde aussi. Jimmy! On a retrouvé le chapitre 3, 5 et on joue avec l'Orochi! Comme d'habitude! Vous allez comprendre, ok? Donc là, Jimmy! Le dernier chapitre, est-ce qu'on joue avec l'Orochi aussi? Pas. Je mange juste le personnage quand même. Ah, je mange juste le personnage quand même. Non. Je parle pas. Je nique un petit peu trop dit tantôt, donc je parle plus. Non, je parle plus. Mais je fais juste comme ça. Mais tout ce que je savais, c'est pour qu'il ait fini la prison. Il a fait de quoi de pas correct, Jimmy. Ils me diront pas là-dedans. Hein. Il aurait quand même pu. On sait qu'il l'a donc on s'en rappelle de Holden Cross au début et de notre sentinelle. Même générosité envers son peuple qu'envers le nôtre.
ça là-dessus. Je viens d'apprendre ce qui se passait en Ashfeld. Il fallait partir en exploration. Donc, qui est-ce, les gens? La Légion d'Obsidienne, comme vous pouvez le constater. Ah! Le chapitre de la fin, il n'y a pas mal. Quoi? Ah, t'as dit ça? Il est déjà comprendre où ce qu'on est avec le dernier chapitre à Apollon pis tout. Tu penses que c'est ce qu'on est là? Ouais. On est où? Je dis qu'on est au château du début où on était. Non. Là ouais. Où ce qu'on est? Ouais. Tu vas savoir tantôt. Là les gens je n'appelle plus. Je l'ai un petit peu trop dit. Je me dis c'est normal, absolument que ça restait arrivé dans son château, dans son château. C'est pas château à la Roche ici, le début. Non, je dis dans le château du début, là. Je me dis c'est normal que c'était dans son château au début. On l'a jamais vu château à Apollyon. On l'a jamais vu. Là, Jimmy, là, c'est pas de me faire parler, là je fais le pub. Ça, je veux parler, mais je dis château avec qui on est à où on était avec Sentinelle. Je pensais que c'est là qu'elle se tairait pour le dernier niveau. Tu veux dire avoir retourné au début. Puis, ben, comme tu me dis que c'est pas ça. Ben. Donc là, oui, on est contre une spadassin qui est quand même assez dure là-dessus. Celle-là est pas pire. Celle-là, sérieux. Où est passée l'armée? Quand même, c'est ça. Là-dessus, c'est vrai qu'ils sont quand même durs à tuer. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même une grosse gang. Dans ce temps-là, vous faites vengeance. Tout va bien aller. Comme vous pouvez le constater. Ça va bien. Ah, j'ai oublié de te dire aussi la spadassine du début, tu t'en rappelles aussi. Ouais. C'est ça. Là, je parle plus. Là, je parle plus. C'est là, je parle plus. Non, là, je dis, non, je dis, je parle plus, là. Hey! Hey! Où chez chien, chien? Je devais trouver Moriji. Ça ressemble pas mal à ça. Quoi? C'est un bien imité. Fuck, oui. Ouh. Les gens, je veux juste me grouiller de partir, ok? C'est en train de me bombarder. Je vais juste faire ça vite, 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 là. Là, en même temps, on va détruire ça. Qui me donne rien, ok? Tout manger, tout de la merde. Je devais dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Le château n'était pas si abandonné que ça. On va prendre ça. Oui, c'est le château du début. Non. Ça a l'air sans 25 minutes. Notre reconnaissance discrète paraissait bien compliquée. Pas au début comme ça, là. Non, mais il y a 25 qui ressemble bien à ça. On s'en va là-bas. Donc là, justement, Momoji est en bas. Qu'est-ce que je vais faire là? Ben, qu'est-ce qu'on doit faire plutôt? Là, c'est de justement aller l'aider pour justement capturer Château. Puis moi, surtout du début, Jimmy, t'as plus de trucs ça. Ouais. Hey, Chris, ben oui, c'est surtout du début, je pense. Non. Il était plus grand que ça. Ouais, c'est ça que je viens de me dire. Donc, les gens n'ont pas grand-chose surtout du début, c'est. Il est plus grand que ça d'habitude. Le château est plus grand que ça. Ah, ouais, là, ça, c'est plus grand que ça. Mais non, tu vas savoir où est-ce qu'on est.
Après que ta vie a vécu, après à la fin du chose pour faire le chapitre suivant, tu vas savoir ce qu'on va eu. Tu vas même le voir. Hey, c'est-tu? Ouais. On est à l'époque des auditeurs. Pendant que le gars était bien essoufflé, il décide d'aller se décider avec lui. J'aime la feuille. À quoi ce qui descend, qui monte, non? Je t'ai dit, pas dit de monter. Hein. Là, ça fait. Alors, après, comme je vous l'ai dit, les gens, je parle plus vraiment de la reste de l'eau parce que je l'ai comme vraiment trop dit. Aïe aïe. Ah, c'est lui qui l'a attaqué, vas-y. Mais voilà. Et voilà. Ok, on n'a pas encore fini là, excusez-moi. Tiens, je crois que t'es rempli de ta vie. Parce que ça me tente. Je ne dis pas pourquoi, parce que ça me tente. Pourquoi? Parce que c'est pas qui est ça. T'as arrêté de chialer. Non, c'est pas vrai. Est-ce que je vais monter niveau 30 avant la fin du chapitre au complet? C'est ce qu'on va savoir. On l'espère. On aimerait savoir ça. Ça serait épique! Ouais. Ils se battent sans aucune discipline. Désorganisés. J'ai vu une sentinelle. Et un groupe de chevaliers qui quittaient la forteresse. On devrait les suivre. Les frontières d'Apollyon étaient ouvertes, mais par qui? Tu vois, même lui, il a trop parlé, hein? Là, tu dois peut-être savoir où est-ce qu'on est, hein? Ouais. Où tu penses? Ben là, on est dans les frontières d'Apollyon pour l'instant. Donc, on risque d'aller... Dis-toi qu'on n'est pas encore rendu au dans le chapitre. Là, déjà, ce qu'on voit, c'est une église. L'église de Satan. Non, c'est rendu qu'on est avec Satan et tout le monde. Ouais, on est à l'église de Satan. Là, on dirait un peu l'église de Notre-Dame. Là, je parle plus, Jimmy. Je parle plus. Regarde par tes yeux. Je la connais. La sentinelle. Une rébellion? En sont-ils capables? On ferait mieux d'y aller. Pourquoi? Donc oui les gens, vous l'avez vu, tout comme moi aussi, Jimmy aussi tu l'as vu. C'est qui tu penses? C'est le sentinelle qu'on a vu. Le chevalier du début. Justement. Alors Jimmy a parlé, il a tranché. C'est notre chevalier du début. Et regardez comment que notre allié va faire pour... comment que Orochi va faire pour escorter Momoji jusqu'au pont. Regardez comment qu'il va faire. Ça, j'ai quand même trouvé quand même assez drôle. Tout va bien.
Ça, c'est l'autre gars, t'es comme en fait en même tuer tes nouveaux, tes anciens alliés, tu sais. T'as des deux sentinelles. Bon, ça, c'est pas rare. Ouais. Ça fait bien plus pire que ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est quand même. Mais oui, c'est vrai que ça fait bizarre. Je vais te le dire, c'est vrai que ça fait. Ça fait quand même bizarre. Donc, j'ai les gens. C'est... Ok, lui, t'es en train de pleurer, je sais pas pourquoi. Donc, Jimmy, tu regarderas comment il va faire pour escorter notre allié. Non, c'est vrai, faut que je le dise tout aussi. Moi, je l'attends. Lui, attend, ouais, bon instinct. Non, c'est pas notre sentinelle. Du début, comme vous pouvez constater, ça ne l'est pas. Ouais, ça ne l'est pas en tout. C'est là. Je ne parle plus. Le vieux pont de l'ancienne cathédrale. Le vieux pont, d'ailleurs. Un jour prochain, il tombe. Voyons. Je veux vous le montrer, mais Christif, il y a tout à du monde. C'est ça qui est poche là-dedans, c'est qu'il y a tout à du monde. Je vois ce qui va arriver, mais il y a tout à du monde qui arrive. Non, sérieux, j'ai tellement ri, là. Donc, les gens, dis-moi la semaine prochaine pour voir comment. Ouais, c'est là, Roshi va escorter notre allié. Non, ça, c'est vraiment drôle. Moi, sérieux, j'étais mort de rire, comment qu'il a fait. Wow. Bon, je vous dis pas comment qu'il fait. Je parle plus. Ça, c'est lui, l'assassin. Nous ne sommes pas ton ennemi, champion. Vous avez exécuté la famille impériale. Qui tu penses que c'est, lui? Ah, pas non. Non. Hardan Kiros? Non. Comment on a contrôlé au début, gars? Nous avons quitté l'obscurité. Gars, Espadassin? Eh là, t'es revenu. Donc là, oui, les gens devaient dire ça va être épique, les tiennes, ça va vraiment être épique. Oui. Là, on se remplit de notre vie, hein. Mais lui aussi, maintenant, il le fait, lui. Et voilà, il s'est rempli de sa vie. Nous autres, aussi, on est capable. Enfin, c'est juste ça. Donc, on a aussi. Non. Non. Pas là. Pas là. Ça me tente même pas de venir en plus de voir la face. Tu peux vraiment pas le sentir. Non, c'est parce que là, si je t'appelle une vidéo, là. Hey, yo, les mecs, il m'a vraiment mis dans le. Dans le geyser? Ah ouais, t'es mis dans le geyser, là, c'était. Ok. Quoi? Ça, les gens, c'est vraiment chien. C'est chien. Quand on voit les pics, vous pouvez là. Constaté, et voilà. Coupe-y en tête! Coupe-y en tête! Non, regarde.
J'avais pu jauger cette sentinelle. Quand on croise le fer avec quelqu'un, on connaît sa vraie valeur. La forteresse, ça me dit. On était juste au pied de la forteresse. Est-ce que tu as une vingtaine de niveau 30? Et oui, là, Jimmy, tu dois te le dire. C'est-tu la fin? C'est-tu la fin? Je parle pas. Et oui, c'est la fin. Avec qui? Lâche. Donc là, Jimmy avait dit qu'il allait avoir une guerre avec les chevaliers samouraïs vikings ensemble qui allaient se réunir pour attaquer Apollyon qui est le chef de guerre. Est-ce que son opinion va être bon? On va vous laisser avec le reste de la vidéo. J'espère que j'ai raison. J'espère que j'ai raison. Parce que là, elle a quand même attaqué des chevaliers. À tous les renforts. Voici Apollyon. Les samouraïs ont enfoncé la deuxième porte. Madame, la Légion de Fer est au pied de nos murs. La Légion, il parle des chevaliers. Te voilà. Que comptes-tu faire, Holden? Il avait bien dit Holden. Ben relax, elle arrive, ben relax. Ah ouais, moi je me cache. Boum. Retenez les samouraïs. Je m'occupe de la Légion de Fer. Donc oui, les gens. De la Légion d'Obsidienne. Nous avions enfoncé les portes, obstrué les tunnels. Nous les tenions. Les catapultes étaient au niveau supérieur. Donc là, dans le fond, le but, c'est de tout attaquer les factions qu'on va voir. Que ce soit un chevalier sale, que ce soit un chevalier viking, peu importe, on doit toutes les attaquer. La priorité était de détruire leurs catapultes. Mais t'as des chevaliers qui sont avec toi. Non. Puis pour l'instant, parce que tout le monde veut la peau, ben tu sais qui, gars. Chevalier, comme je vous l'ai dit, ils sont toutes contre nous autres. Comme nous l'avons... Hey, il a tapé. D'accord. Non. Hey. Tac! T'as regardé comme un cœur. Ça que j'haïs, c'est quelqu'un monde un regard d'attaquer et qui font rien. Ah ouais! C'est ça! Bon les gens. Je vais prendre mes de ma. Je vais prendre de ce que s'est passé. Même. Ah, bon, c'est l'attaque 2%. Bon. Je vais taper. Ça va là, je crois. Hey! Vous savez, les gens, là, je dis ça, mais c'est parce que, sérieux, j'ai pas eu autant de misère que ça. Même de ça, j'ai jamais autant de misère. Pourtant, il est full facile à tuer. Il est full facile à tuer.
boss. C'était trop con pour ça en faire d'autres. Donc là, tu devais dire, ouais, c'est quand même dur à tuer, tu sais, on pouvait rusher. C'est pas parce que je suis pas assez bon, c'est parce que, tu sais, j'ai de l'expérience, mais j'ai comme pas tout fait le mode d'entraînement. Donc, je connais juste la base, puis un petit peu toutes les autres affaires. Sinon, là, je serais meilleur que ça. Mais j'avoue, je me débrouille quand même bien. Hein. Donc, que je me retape les affaires, tout ça, ça irait bien. Donc là, devait dire, tiens, pourquoi t'attaques tout le monde? Vous voulez que je sois niveau 30 ou pas? Vous allez jouer avec... pardon, niveau 30. Donc là, lui, il faut aller le rejoindre. Suivez votre armée dans la citadelle. Donc voici où est-ce qu'on s'en va, maintenant. On s'en va maintenant dans la citadelle, qui se trouve où dans le château d'Apollyon? Je vous parle, je parle pas. Mais comme Jimmy a dit, nous a dit, est-ce que on va tout se rejoindre avec toutes les factions puis qu'on va tout comme j'ai dit, je ne parle pas. Est-ce que Jimmy va avoir raison? On va regarder. Exploser la gueule à Apollyon. Fuck, ça me prend l'autre affaire, ça me prend ça. Oups, oups. Ah non! Il me suis tiré dessus avec ma gang. Oh non! Ok. Sans commentaire. Oh non! La pire part à faire. Nous devions bloquer les accès. C'est la fille ce que j'ai pour empêcher les renforts d'entrer. Bon, vous allez, moi je veux pisser. Alors là, sérieux, là, les gens, là, tiens, ils commencent à rager pas mal. Là. Donc là, Jimmy manque quasiment la moitié. Là, Jimmy manque quasiment la moitié du XP de ce qui va se passer ensuite. Donc même lui, il ne saura pas ce qui va se passer s'il n'en revient pas tout de suite. Comme je vous l'ai dit, il devrait. Mais d'accord, comme je vous l'ai, comme vous pouvez constater, dans le fond, c'est qu'on a bloqué 4 entrées. Les 4 entrées sont justement là. Et voilà. Donc, tout ça c'est fait. On peut continuer à tuer tout le monde puis gros kit. Tu sais, tuer tout le monde, à faire ce que vous avez à faire. Tu sais, gros kit. Comme ça, là, vous y allez bien à la bouche, là, si vous voulez vraiment que je sois niveau 30, on va tout faire pour qu'on soit. Mais bien sûr, pourquoi pas. Okuma, c'est lui. Et il connaît ça l'efficacité. Déjà là, je suis pas sûr qu'un pont de bois comme ça, ça aurait fait ça. On sait pas, je sais pas, je reste perplexe des fois. Nous ne pouvions que monter. Comme ceci. On fait ça comme ça. Une peste ici, c'est mal, hein? Imagine deux moins. Comme ça. Lui il se passait genre trop cool les gens, comme vous avez pu constater. On va se prendre les pièges toxiques. Tout comme ici. Ouais, toi ici, ça fait mal, hein. Moi j'ai rien senti. Donc là ça continue. Je devais donner du temps à Okuma. Donc là dans le fond, le but c'est de
vraiment tout tuer les ennemis qui vont rentrer ici pour que justement Okuma s'arrange pour réussir à ouvrir la porte. Parce que si on laisse les ennemis s'en occuper, ben il va arriver qu'il va mourir. Nous autres, c'est pas ça qu'on veut, nous autres. C'est mal, hein? Ouch! Aïe aïe! Ah oui, ça fait mal. Ok, je vous ça fait mal. C'est mal, hein? Ça fait ça. Ah, dans le cul. Là, t'es quasiment à 5000, bordel, ton niveau 30. Des flèches, soulève, vite! Donc là, les gens, c'est pas trop long. Comme je vous l'ai dit, j'essaye le plus possible de pas rester trop dans le cercle. Là. Quand vous voyez un cercle rouge apparaître dans votre écran, quand vous l'avez vu, là, le cercle rouge qui a fallu que je me sauve au plus vite, là, parce que c'est les flèches qui ont été tirées, comme là, gardez ces flèches-là, là, hein, comme là, comme j'ai viens de me faire attaquer par un autre. Comme ça, tout va bien d'aller. Et voilà. Avance. Tu vas y arriver. Je ne pouvais pas laisser fuir Apollyon. Je devais la trouver. Donc là, d'avant, on devait dire où est-ce que t'es, Étienne. Je ne parle plus. Moi, je dis que t'es dans une tour. J'essaie le plus possible de le laisser dans le feu parce que justement ils sont quand même durs à tuer eux autres. Surtout les centurions. Centurions, c'est ça, centurions. C'est ça qu'ils savent pas. Merde! Oh, mon dos va quasiment mettre dans le feu. Ah merde, il est mis dans le feu aussi. Merde! Bon les gens, on s'en rend. Et puis on s'en rend. Mais t'es quasiment à 5000. Mais non, on se calme. Ça va être bon, ouais, ton niveau 30 dans une tasse pour ça. Ok, on va être un petit peu plus chien avec, voilà. Comme ça. J'ai envie de tout détruire ça. Donc là, on y va, c'est parti. Ok, je vais niaiser. Moi aussi je suis capable de niaiser. Ça n'a pas trop marché mon affaire. Fuck! La bosse de faim. Enfin, l'Empire du Levant est arrivé. Soumets-toi, Apollyon. Sans façon. C'est parti, maintenant. On commence le duel entre Apollyon et notre fameux bonhomme qui s'appelle Le Rocher.
Ben, à fond, ce que devait être, c'est que moi, je suis tout le temps à ça, tu sais, je m'occupe justement des petits boss, genre, mettons, le sentinelle qu'il y a là. Tu sais, je me le tape, après ça, tu sais, j'y vais un peu avec Apollyon. Ça, je recommande. Apollyon, après ça, sentinelle, après ça, go. Tu sais, j'y vais à fond. Là, de dire, tiens, j'ai encore tes pièges. Oui. Attendez, ça, ça s'en vient aussi, ça. Ça s'en vient aussi des pièges. Je vous l'ai dit. Faut juste être patient. Ils sont quand même tous les trois. Ils sont quand même maintenant deux sous moi, tu sais ça. Donc là, on continue. On va s'en mettre un. Ici. Donc, ici. On va attendre. Et voilà. Et qui nous veut, qui voilà? Comme d'habitude. Le gars il va. Ouais! Pas morte toi! Non, sérieux, elle est pas morte, mais je vous dis les gens. Tu vas mourir, démon. T'es que t'es là? C'est comme ça. De faire son devoir. Viens donc, guerrier. Le dénouement était proche. Comme vous pouvez le constater, dans le fond, elle, si vous le saviez pas, c'est une sentinelle aussi. Si vous le saviez pas, maintenant, vous le saviez. Après, ce que j'en fais, dans le fond, c'est quelque chose. Faire ça risqué. Ok, c'est bon, je le dis. On y va. Oui. Et voilà, maintenant, je parle plus. C'est fini. La paix va régner. Là, t'as pas vu qu'il y avait des vikings, hein? Avoue que t'es pas vu, hein? Non. Là, je parle plus. Armées. Que croyez-vous qu'il advienne? La paix? Le monde ne fonctionne pas ainsi. Ne me parlez pas de vos vertus. Le devoir. Le clan. L'honneur. Vous avez renié votre nature.
tout ce que je veux et que vous acceptiez votre nature. Vous tous. Mais loup. Adieu, Oscar. Vous savez tout. 7 années de guerre et de sang. Apollyon s'est joué de nous. Elle nous a manipulés. Pourquoi? Pour tuer les faibles. Pourquoi nous as-tu appelés, Cross? Ce n'est pas moi. C'est ma sentinelle qui m'envoie. Pour s'excuser. Comment Rousse? Mes frères sont morts par milliers. Vas-y, c'est l'occasion de te venger. Nous nous sommes parlé, comme ta sentinelle le souhaitait. Mais quel est son but? La paix. La paix. Donc ça c'est Ayo, Holden Cross, puis l'autre ben c'est... plutôt c'est quoi son nom? Même si c'était possible, ce n'est pas notre rôle. Est-ce un but si méprisable? Eh bien, non, mais... ah. Ici et maintenant, disons que ça ne tient qu'à nous. Nous courons tous au suicide, vous le savez, mais ça ferait une belle histoire. Et voilà, Jimmy, le chapitre 3 terminé, c'est-à-dire que le jeu, je l'ai passé. À date, Jimmy, ton verdict. J'en reviens pas de la façon que ça finit. Ah, j'ai des récompenses en bain de l'air. Ok. Niveau 30. Et voilà les gens, j'ai fini toute la mode histoire niveau 30. Vous voyez, j'ai fini. Il y en a combien de minutes? 59, 55, 59, c'est ça? 59 minutes. On va faire ça, on va y aller un petit peu plus mollo, tu sais. On va vous montrer ce qui va se passer dans la Pologne, comme je vous l'ai dit. Là, vous allez voir, j'ai dit à Barnache, tiens, de tous les persos, oui, avec vous le dites, là. Si maintenant vous dites, ah, ok, tiens, de tous les persos, hein, je savais pas. Mais oui. Oui, ça c'est correct. Je le savais. 2000 piastres. Ils m'ont donné 2000$ parce que j'ai fait parce qu'il s'est passé ça. Il s'est passé qu'il s'est passé ça.
Là, je vais chercher mon Orochi parce que ça a l'air qu'on a eu, j'ai eu quelque chose de nouveau avec. Donc, on a la personnalisation. On va aller là-dedans. On va aller dans l'ornement. Ah, cool. Ah, parfait ça. Ouais, ah, j'aime mieux ça. J'aime bien ça. Là, ce que je vais aller faire, d'accord, c'est que je vais aller récupérer des affaires. Ah, yes, pack premium. Bon, ben, let's go. C'était pas ce que je m'attendais à ça, mais... Ok! C'est bon. On va améliorer ça. Bon, pour ça, on va attendre au pire après. Après ça, le kilo, je pourrais bien améliorer. Ah, peut-être mon fléau. Récupérer des objets, pack premium, à 500. Ça, c'est sûr, on va s'en lui et Alden Cross. Et voilà, maintenant j'y touche plus, c'est fini. Donc, les gens, c'était la fin de For Honor. Jimmy, ton verdict sur le jeu. Comment t'as trouvé ça? J'étais dedans du début à la fin. Puis j'en reviens pas de la façon que ça finit. T'as fait déçu? J'ai boosté la figée de autre chose. On va vous montrer un petit peu à quoi ressemble Jimmy à ce moment. Parce que oui, il a vécu la fin avec moi. Il a de l'air à ça. Il a vécu le chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. On a fini le let's play sur For Honor. Donc si vous avez aimé ça, marquez ça en commentaire ou bien likez la vidéo. C'est vraiment le fun. Priez pour qu'il y ait deux autres chapitres avec les deux nouveaux personnages. Ça, j'aimerais ça. Deux nouveaux chapitres avec les deux nouveaux personnages. Si c'est pour arriver, ben je vais faire, mettons, vidéo let's play bonus, je sais pas. Et qu'il fasse une belle fin, là. Pas comme ça, là. Ça peut pas finir comme ça. Mais sinon, pour ça, comment t'as trouvé ça, sérieux? J'étais dedans du début à la fin. Numéro 1. Ouais, dis-toi, mais il est court, mais comment t'as trouvé ça? Il est court, mais il est super. Et puis, t'es dedans du début à la fin, ça suit, puis il y a un début, un milieu, puis il y a une fin, tu comprends ce qui se passe, tu sais? Checkez bien ça. C'est lequel ton chapitre préféré? Le 3. Moi, perso, c'est le premier et le troisième. Ouais, c'est mes deux chapitres que j'ai adoré. Le 2, il est vraiment le fun, sérieux. Il est vraiment le fun, mais j'ai pas assez accroché. Mais oui, c'est quand même ça qui s'est passé. La fin de For Honor, ça passe comme ça. On tire à Apollyon. Il y a pas les trois factions qui s'en occupent. Non, non, c'est nous autres tout seuls, l'Orochi lui-même. Vous allez l'entendre à la fin de la vidéo, vous allez l'entendre. Eh mon dieu, c'est stressant ces affaires-là. Ouais. Ah mon dieu, oh my god! Vous allez l'entendre. Ah non, c'est vrai ça qui a été dedans. Je vais tenir les cheveux de main là, puis je t'avais pas mis à arracher de la tête. Ça, je l'ai pas vu ça. J'étais trop concentré moi. Bah, j'étais comme couché de main pendant que tu faisais ça, mais j'étais là. Oh mon dieu. J'entendais pas de me jouer dans les cheveux. C'était ça. Donc, si vous avez aimé ça, comme je vous l'ai dit, likez ou ben. Likez ou ben sinon commentez, hey c'est vraiment bon ce que t'as fait nanana. Moi bah l'émission même j'aurais liké 10 000 fois. En tout cas, sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Peace.